Bonjour Madame Véronique Lipsos-Salnav, vous êtes chargée des questions éducatives, déléguée au département. Dites-nous ce que vous pensez de cette rencontre et ce que cela peut apporter finalement au département, ou ce que vous pouvez espérer aussi que ces rencontres apportent au département et aux réflexions que vous conduisiez depuis longtemps dans l'action éducative des collèges. Oui, bonjour. Oui, d'abord, j'ai trouvé cette matinée très riche avec des interventions très intéressantes des experts. Pour nous, ce sujet, nous l'avions vraiment à cœur de l'inclusion et de la différence au collège. Et on est au cœur de trois de nos compétences. Les collèges, tout ce qui tourne autour des personnes en situation de handicap, et également le numérique, puisque nous sommes quand même assez innovants à cet égard. Ce que j'en ressors, c'est approfondir nos réflexions, notamment sur les outils numériques qui peuvent permettre l'inclusion des enfants à objectifs à situation particulière ou à des enfants en situation de handicap, pour permettre une meilleure intégration. Nous avons des outils numériques classiques, mais je pense qu'avec la fibre 64, nous pouvons rechercher et imaginer des équipements qui permettront d'être plus adaptés à des collégiens en situation de handicap ou ayant des problèmes particuliers qui ont été évoqués. Ça permettra donc à notre département d'être encore plus près des besoins des jeunes collégiens. Et c'est un objectif que nous avons, être plus près dans les territoires et être plus près des besoins réels. Et je pense que nous pouvons apporter beaucoup à l'éducation nationale, qui évidemment ne peut pas tout donner, évidemment en collaboration avec l'éducation nationale, qui, je pense, elle-même, en son sein, réfléchit sur tout ce qui peut être apporté aux enfants en situation de handicap ou avec des besoins particuliers. Je pense que l'on a perçu à travers les interventions de ces spécialistes que peut-être au sein de l'éducation nationale, tout n'était pas encore prêt pour cette inclusion. Et nous, je pense qu'on peut être là en soutien, ne serait-ce qu'en matériel déjà, mais aussi pour les actions éducatives que l'on peut proposer dans les établissements. Je pense aussi que c'est un tout, l'inclusion de ces enfants différents et l'apprentissage de la différence aussi pour améliorer le climat dans les collèges. Ça fait partie des actions éducatives qu'on peut mener. Donc je pense qu'on va sortir de cette journée EDOS avec beaucoup de projets que nous allons approfondir avec nos équipes, en lien avec évidemment nos services qui travaillent sur le handicap. Parce que je pense qu'également pour nous la transversalité c'est très important. On a peut-être pas encore suffisamment travaillé justement entre nos différents services sur ce point, et ça permet pour nous d'avoir des pistes de travail et de progression pour être plus près de ce besoin qui est réel et qui permet d'aborder l'éducation de façon tout à fait différente. Je crois qu'on est un peu, on se remet en cause. Bien sûr, je crois effectivement qu'il y a des... De telles interventions. Pardon, je crois qu'il y a effectivement des questions de connaissances aussi, oui, et de formation, et oui. Puis aussi la mise en valeur de certaines actions. Oui, tout à fait. Et d'outils peut-être aussi. Oui, c'est là aussi, je crois beaucoup à la force d'EDOS. On a la partie un peu théorique, disons, mais qui ouvre l'esprit. Et je crois que les ateliers seront très utiles pour tous les participants, pour voir comment concrètement on peut mettre en œuvre tout ce qu'on a dit. Le chemin est encore long, malheureusement, pour ces jeunes collégiens, pour une véritable inclusion. Mais ces journées de réflexion et d'échange vont nous permettre de progresser vers une meilleure inclusion. Merci infiniment. Je vous en prie.